Sur 4 candidatures, le choix s'est finalement porté sur la ville de Marrakech au Maroc pour abriter le premier bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. Une distinction qui vient consacrer le leadership continental du royaume en matière de développement touristique. La mission du premier bureau continental de l'OMT, le deuxième du monde, couvrira la promotion de l'investissement et de l'innovation touristique. Lors de cette assemblée générale, tenue du 30 novembre au 3 décembre dans la capitale espagnole, le Maroc a été élu en tant que membre du conseil exécutif de l'OMT pour le mandat 2021-2025. Ces acquis constituent le couronnement des efforts consentis par la délégation marocaine, conduite par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Amor, lors de ces assises qui ont enregistré la participation de plus de 500 responsables gouvernementaux et opérateurs touristiques. La ministre marocaine du Tourisme a rappelé la mobilisation du gouvernement marocain sous l'impulsion du roi Mohamed VI pour protéger la santé des citoyens marocains et réduire les effets de la pandémie sur les secteurs les plus impactés, notamment le tourisme. La participation marocaine a été marquée par la consécration du village de Sidi Kaouki dans la province d'Essaouira en tant que Best Tourism Village 2021. Le village balnéaire a été sélectionné parmi plus de 170 candidatures provenant de 75 pays. Ce prix a permis de récompenser les efforts continus du Maroc pour la construction d'une destination éco-responsable.